Ce vendredi 3 mars, Jessica Thivenin a pris la parole sur les réseaux sociaux. Le moins qu'on puisse dire, si est que ce n'était pas un bon jour pour elle et son fils Melon. En larmes, elle s'est confiée sur les problèmes de santé de son petit garçon, lui qui s'est fait opérer quelques jours plus tôt. Explication. Jessica Thivenin donne des nouvelles de son fils Melon en 2014, Jessica Thivenin fait sensation auprès des téléspectateurs. Si est cette année-là, qu'elle intègre pour la première fois, le casting des Marseillais. Drôle et spontanée, la jeune femme va rapidement devenir une candidate phare de l'émission. Depuis, la candidate de télé-réalité est une véritable star sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle se plaît à partager son quotidien, que ce soit sur Instagram ou encore sur Snapchat. Et justement, il y a quelques jours, la mère de famille a décidé d'évoquer l'état de santé de son fils Melon. Malheureusement, depuis sa naissance, Melon multiplie les séjours à l'hôpital. Il faut dire que le petit garçon est né avec une atrésie de l'œsophage. Une maladie assez handicapante pour lui. En effet, elle se caractérise notamment par l'interruption de la continuité de l'œsophage qui se termine alors en cul-de-sac. En d'autres termes, les aliments ou la salive ne peuvent pas être amenés correctement vers l'estomac. Mais ce n'est pas tout. Cette malformation peut également provoquer de violentes quintes de toux qui se transforment bien souvent en pneumonie. La mère de famille ne peut plus et le samedi 12 février dernier, le cœur de Jessica Thivenin a été mis à rude épreuve. En effet, Melon devait passer une nouvelle fois au bloc opératoire. Il faut dire que le garçon ne pouvait pas manger sans vomir. Ainsi, une nouvelle fois, les médecins ont annoncé à ses parents qu'il allait devoir être opéré pour agrandir sa paroi œsophagienne. Malheureusement, quelques semaines après l'intervention, son état de santé ne semble pas s'améliorer. En larmes, la mère de famille a expliqué chercher du réconfort chez d'autres parents, « J'en peux plus, mon fils fait que pousser, je suis à bout. Je cherche juste du réconfort et à ne pas me sentir seule. » Jessica Thivenin sur les réseaux sociaux.